Interview with Mr. Armstrong will be playing next week. Stay tuned on Island TV. As a matter of fact, let me say hi to some colleagues at the Health Department. I'll say hi to Norma Sosa, Diane, Priscilla. I know you are watching, and hi, everybody. Let's move to Cap Haïtien. Monsieur Sepas, I'm going to introduce the Cap. I'm going to promote. Haïti, nous avons fait touristes, nous sommes sortis au Cap. Dis-moi, organisation que les Belles Haïti a, qui, dans qui sens nous voulons vendre l'image pays d'Haïti, particulièrement le Cap Haïtien. Nous sommes d'abord des jeunes entrepreneurs venant du Cap, donc de passage dans la Floride. Non, c'est La Force. Élie La Force. Donc, monsieur, c'est Élie La Force, lui-même est sorti dans notre. Oui, au Cap. Okay. Au Cap. Allez, donc, c'est des jeunes entrepreneurs qui réunissent autour d'un club entrepreneurial. Donc, qui se réunit chaque samedi à la Chambre de commerce du Nord. Donc, nous réfléchissons sur des idées qui pour nous, sont nécessaires pour faire Haïti avancer. Donc, après près de 4 ans donc d'échanges d'idées, de formations, de conférences, donc nous en phase d'expérimentation. Donc, à part de l'autre business qui est lié à l'agro-industrie et peut-être et gestion d'audio aussi que nous travaillons sur lui, maintenant, je dis à nous sous intéressé par le tourisme et je dis à lancer plateforme Belle Haïti qui nous lancer Belle Haïti qui sont plateforme touristique. C'est ça. On est avec Job Bon Premier. Y a un projet pour vendre image pays d'Haïti. Dis-moi qui ça nous-mêmes nous en Haïti qui est important qui mérite vendre. Il n'y a pas un secret pour quel monde que Haïti gagne en pile attraction touristique. Qu'il s'agit de richesses naturelles, qu'il s'agit de l'histoire, qu'il s'agit de savoir vivre nous, qu'il s'agit de tradition que nous avons, qu'il s'agit tout de réalisation que nous avons pile monde qui visionnaire en Haïti qui fait, nous avons pile nous qui a servi d'attraction touristique. Et je dis là, travail nous, c'est arriver, organiser package si là pour que nous offrions. Pour nous offrir à des gens qui n'ont pas pile comme qui t'a aimé à Haïti, pour nous offrir à des gens qui sont capables pour autant de parler de Haïti, mais que nous pouvons faire tendre de parler d'Haïti. Et que nous pouvons mettre package ça dans disposition à moyen que nous avons. Je dis là, c'est le travail ça que nous-mêmes nous avons fait. Et c'est offre ça que nous avons annoncé à la communauté haïtienne qui est dans la Floride. Là. Ok. Nous-mêmes, nous au Cap Haïtien, nous basons au Cap Haïtien. Nous connaissons que le Cap Haïtien, c'est la fierté capoise, c'est là que Haïtien toujours bat le smack que dit au gagné, puis belle et site touristique, puis attraction touristique. Et qui mécanisme nous avons qui t'a développé pour vendre le pays à travers le Cap Haïtien et La Force. Donc, premièrement, je ne sais pas que nous devons connaître, Haïti fait partie de... Haïti a une chance de trouver une position qui est très intéressante par rapport à l'ensemble de l'autre pays. Donc, du moins, Haïti a des atouts par rapport à l'autre pays pour développer le tourisme. Mais je ne sais pas qui ça fait ça, mais jusqu'à présent, malgré l'ensemble d'opportunités et Haïti gagne. Haïti pourquoi jamais capable de prendre un gâteau qui gagne dans le tourisme? Parce que il y a plusieurs milliards qui tournent autour de lui dans le Caraïbes, la République dominicaine, Porto Rico, tout ça, mais cependant, Haïti pourquoi capable. Mais pendant plusieurs décennies, vous gagnez ce que Haïti fait. Je pense que le développement d'Haïti a parti seulement par l'État. Donc, tous les autres pays qui, je dis, ont développé, ce n'est pas seulement l'État qui fait travail, c'est d'abord l'État, la société civile et surtout le secteur privé. Maintenant, donc, par rapport à l'approche ça, et comment nous voyons que au niveau local, ou même, et mon premier, nous devons stimuler l'investissement privé ou permettre tout que gagner un partenariat entre l'État et le secteur privé pour nous avancer. Et moi-même d'abord, surtout à Belle Haïti et personnellement, avant même de partenariat à l'État privé, nous avons besoin de partenariat privé-privé. Ou même qui gagne hôtel, les mêmes qui gagne agence touristique, les mêmes qui gagne agence d'excursion, les mêmes qui gagne plage, entre nous, nous sommes capables de faire des partenariats. Et c'est sans ça que nous travaillons aujourd'hui là pour nous porter offre que nous portons. Pour qui ça? Parce que aujourd'hui, le tourisme plan, c'est une meilleure solution qui gagne pour Haïti. Dans 50 pays qui sont pauvres dans le monde, il y a 45 dans eux. Et fort pour ce que vous avez fait, c'est grâce à la tourisme.
qu'il s'agit de touristes responsables, qu'il s'agit de touristes de masse, ça c'est des choix que nous gagnons pour nous faire. Ça c'est des priorités que nous allons gagner pour nous poser. Mais je dis, hein, ça qui est clair, c'est que Haïti gagne attraction touristique, gagne des monde, gagne un marché touristique. L'on garde par exemple le nombre de Français qui allaient en République dominicaine, juste à côté de nous, qui presque avoisinaient des millions chaque année. De ma proximité culturelle et de langage qui existait entre nous, c'est la plus facilité pour que nous fassions mon service. Donc là, nous avons besoin de structure, nous avons besoin d'infrastructure. Maintenant, nous avons besoin de structure, nous avons besoin d'infrastructure. Et comment nous voyons que l'État est capable d'intervenir pour mettre structure, alors infrastructure, et puis tout ce qui est venir avec des structures modernes pour nous mieux vendre le Nord, pas avoir de conséquences sur Haïti. Nous avons besoin comme quoi là-dedans. Le plus long voyage commence par un simple pas. Donc c'est vrai, je dis à Haïti, il y a un ensemble de retard par rapport à l'ensemble de l'autre pays. C'est vrai qu'il y a plus de travail qui est fait pour Haïti arriver au niveau public dominicain, il y a plus de infrastructures. Mais je dis, bon, peut-être que ça a fait quelque chose, peut-être qu'au cas de gagner des projets, je me sens qu'il y a une volonté de la part des dirigeants haïtiens pour faire du tourisme un moteur économique. Vous avez dit ça qu'a fait certains monde. Non, il y a dit bon, pour le gouvernement. Non, disons vérité par vérité, oui, il faut qu'a fait. Senti, il faut qu'a fait. Il y a un pile bail qu'a fait, il faut le dire. Yeah. Maintenant, si le gouvernement a fait, il faut pas. Donc, pour nous arriver à nos résultats, c'est qu'il faut qu'il y ait aussi des gens du secteur privé. Mm-hmm. Et nous, c'est des jeunes, certes. Nous pensons. T'es plus jeune, je pensais que c'est en intégrant le secteur public qu'on a pu tirer. Monsieur, c'est dommage que tu es en trop court. On dit le mot de la fin. Job, mon premier, pour nous finir. Et puis, qui s'en inspire de diaspora? Moi, remercier Island TV. Moi, remercier Patrick. Nous offrions un paquet de jeudi pour diaspora, pour tout le mois de septembre. $500 américains, tout compris. De avion jusqu'à excursion, jusqu'à activité de loisirs. Diaspora. À privé, après avion, la privé pour au prince, n'a bien machine qu'à prendre. On a mené dans l'hôtel, là, dans le sud. Bon, nous n'en avons, mais on a commencé à faire ça dans le sud, pour faciliter. Nous avons bien activité d'excursion, manger toute bagaille net que nous-mêmes, hôtel, là, nous avons pris en charge. Et nous avons retourné mener les gens dans l'aéroport, là, pour le retourner. Moi, les gens qui sont intéressés à acheter des paquets de dans le local Haïti Aviation, et nous également nous Rio. Et c'est un début. C'est un début puisque nous ne sommes pas capables de croiser même pour atteindre l'État. Et me penser, nous-mêmes, nous jeunes, certes, 23 ans, 24 ans, prochainement, mais nous sommes capables de bailler ton. Et c'est sûr, nous croyons qu'il y a bien plus de monde qui a pas emboîté le pas. Voilà. Monsieur, merci quand même pour ce qui passe notre fait là. Je connais que faire une pression en pile pour se voir nous pour lui. Donc, comme des pression en pile pour te venir faire une interview avec ce général là pour moi. Donc, nous un petit peu, nous équilibrer bah, là, nous à égal égo. Voilà. Donc, monsieur, merci quand même. Bonne chance. Je connais que nous pourrons donner à Haïti et continuer de travailler pour nous faire que vous parlez de bien de Haïti, surtout à l'extérieur. C'est jeudi, nous presque dans le week-end, nous parlons quitter avec un pile grindant, un pile souris, avec un pile fan. C'est un parlement, chambre de députés, qui est tourné en véritable gaguet, côté que députés avec députés tapoumé. On allait donner un peu pour imaginer, pour nous montrer qui s'acte et comme on scène. Eh bien, séance, c'est une séance qui était déroulée en sous-étude et vote du budget et certains autres projets qui étaient pour aller voter. Donc, on y a une discussion entre le député Boujoli et le député de Caille et le député de Port-au-Prince, chaque nom groupe différent, groupe Cap défendre président, donne pig. Merci. Groupe Cap défendre président, groupe qui compte président. Donc, yo mari bataille. On nous rapidement recommence à tailler. On nous font idée pour nous dans le Parlement comment fight au tailler. Tu as un pile et vous écoute de poing, un pile coup de pied. Bon, c'est dommage. Je vais faire, nous ne pas regarder. Yo. Est-ce que nous devons introduire le sujet ça? What's going on? Donc, il faut que nous. Thank you.